Et salut à tous, bonjour, bienvenue sur la chaîne de JB Coaster. Alors aujourd'hui on se retrouve à Fantasyland, comme je vous l'ai dit sur l'ancien vlog de Bob Bialand. Je vous avais dit que je serais sur l'hôtel Matamba, donc voilà j'y suis. J'y suis ici pour 3 jours et 2 nuits, donc là je suis déjà au deuxième jour. Donc hier j'ai profité un maximum du parc et la découverte de l'hôtel avec pour mettre mes bagages et tout ça dans la chambre. Et là aujourd'hui je vais vous faire un vlog du coup un peu pour vous montrer un peu surtout la découverte de l'hôtel Matamba, donc sur un thème africain, et pour vous montrer aussi tous les coasters qu'il y a ici, des petits plans sur le parc, vraiment un vlog chill. Si vous voulez vraiment voir tout de A à Z, allez voir mes anciens vlogs, bon, qui seront en moins bonne qualité audio parce que j'avais pas encore mon téléphone à ce moment là donc tout sera sur caméra, donc le son est potable, on va dire qu'on m'entend bien. Mais voilà, ça grésille un petit peu quoi. Donc voilà, hein, je m'améliore, j'essaie de faire ce que je peux pour vous. On a passé les 500 abonnés, on n'arrive pas loin des 510 abonnés. Et merci à vous, tout ça, ça me fait super plaisir. Même si on n'a pas encore les 1000, on va y arriver. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et comme ça me donnera la force et continuer à vous faire des vidéos dans des parcs. Là, il y a Blue Fire qui arrive sur Planet Coaster. Donc croyez-moi, là, il est déjà disponible sur TikTok si vous voulez aller le voir. Mais ça sera la prochaine vidéo. Donc là on va rentrer sur le parc, et vu que je suis dans l'hôtel, bah, j'ai accès directement au parc. Comme vous voyez là sur la droite, il y a Black Mamba qui est derrière, on voit l'inversion qui est juste derrière, il va passer. Ouais, comme ça là je vais rentrer directement sur le parc. Et comme ça, après, on finira ce soir sur la découverte de l'hôtel et l'environnement qu'il y a partout, parce que c'est vraiment beau, tout est aimé, vraiment, même dans la chambre, c'est... Regardez, les petits coins juste là, pour se poser, franchement, c'est super. En plus, j'ai mis mon t-shirt Black Mamba aujourd'hui. Donc c'est parti, let's go, allez! De la réception, elle est là-bas. Donc là, je suis sur l'arrière de l'hôtel. Là, vous avez accès directement au parc. Vous voyez, vous montrez le billet à la dame et hop, directement, vous êtes dans le parc. C'est même pas comme à Disney où il faut marcher, là, si vous y êtes. C'est parti. Ah, ils nous ont fait aussi des petites thématisations en plus cette année. Il y avait déjà le passage où vous pouvez passer du Pin Africa
une sorte de petite aventure où vous passez comme un petit accrobranche, on va dire en minuscule, hein, c'est pas aussi haut, mais vous avez des beaux plans sur le coaster. Et ils ont rajouté aussi des petites cabanes là, juste derrière. Je vais vous faire montrer ça. Avec tous des petits supermarchés, comme si on était vraiment en Afrique quoi, et qu'on allait au supermarché, c'est trop cool. Allez, je vais vous faire voir ça. J'adore les coutures africaines comme ça, c'est trop beau. Sur Black Mamba, donc Black Mamba qui est un inverted coaster de chez BNM, de chez Bolliger & Mabillard, le constructeur. Donc voilà, vous avez les sièges sur quoi on peut s'asseoir. Les sièges d'essai, on appelle ça. Donc c'est parti, je vais faire tout de suite. Donc si vous voulez voir l'on-ride, vous le verrez dans mes anciennes vidéos. Si vous voulez aller le voir, là je vous ai fait des petits plans, tout ça, vu que c'est interdit de filmer. De toute façon, ici je vais pas le faire, hein. Je vais pas me faire risquer de me prendre ma caméra ou me faire virer du parc ou... Donc voilà. Mais en tout cas, de toute façon, il y en a plein sur internet, vous pouvez les voir. Thank you.
type Black Mamba, donc j'étais pas au first, j'étais à deuxième rangée. Et franchement, c'était vraiment cool. Là. Franchement, moi, Black Mamba, c'est le meilleur pour moi des invertis au niveau de Bolliger Mabillard. Pour moi, c'est mon préféré. Je le préfère largement aux Osiris, comme je l'ai déjà dit dans mes anciennes vidéos. Mais il va beaucoup plus vite. Moi, après, je sais pas si c'est la théma, je sais pas si c'est le fait qu'on frôle les murs. Mais non, Black Mamba, il est survalidé. Et à chaque fois que je le fais, franchement, je l'ai fait au moins 3 fois hier. Là, aujourd'hui, bah, là, c'est mon premier ride. Je pense que je referai au moins 2 fois, je pense, dans la journée. Là, je vais aller directement maintenant sur Colorado Adventure, que je vous ai tant parlé, que j'ai fait aussi en maquette. Je peux vous mettre la photo juste ici. Donc voilà, Colorado Adventure, c'est un train de la mine de chez Vekoma, similaire à celui de Disneyland Paris. Celui de Disneyland Paris, il propose une théma mieux, parce que celui-là, c'est vraiment sur le thème, il n'y a pas grand-chose autour. Black Mamba. Vous disiez, ouais, Black Mamba, Colorado Adventure, il n'est pas vraiment thémé en fait, comparé à celui de Disneyland Paris, ça, c'est pas la même chose. Par contre, il va beaucoup, beaucoup plus vite. Et moi, je préfère au niveau du ride. Maintenant, j'aime bien aussi celui de Disney où on passe à côté. Vous savez, quand on passe dans le trou à la fin, juste avant de finir le parcours, dans le noir, on a l'impression qu'on double de vitesse, c'est dingue. Mais ouais, non, je préfère au Colorado Adventure. Donc là, on va aller tout de suite dessus, je vais vous faire voir. Sortie de Colorado Adventure, m'a retourné, c'est une dinguerie ce coaster. Si vraiment vous aimez les trains de la mine, n'hésitez pas à aller le faire, faut vraiment pas le louper celui-là. Si vous aimez les trains de la mine, si vous avez l'habitude d'en faire, celui-là, si vous aimez la sensation qui reste encore assez souple, attention, hein, c'est pas du taron tout ça, ça va beaucoup moins vite, mais on est éjecté du train, surtout à l'arrière, c'est waouh. Colorado Adventure, c'est validé, survalidé. Et là maintenant on va aller sur le spinning coaster, donc un spinning coaster de chez Maurer, donc le même constructeur que Crush Coaster à Disneyland Paris, qui s'appelle Wind Jazz Fear et Wind Jazz Force. En fait, il y a 2 parcours entremêlés, le parcours bleu et le parcours rouge. Donc hier j'ai eu l'occasion de faire le rouge, donc je vais essayer d'aller me diriger sur le bleu, mais c'est à peu près similaire, hein. Les deux se ressemblent vraiment. Mais là maintenant, donc, je vais aller tout de suite sur le coaster pour faire des petits plans. Il n'y aura pas de on-ride. Le on-ride, vous l'avez sur internet et vous l'avez aussi dans mes anciens vlogs. Comme je l'ai dit, c'est vraiment interdit de filmer ici. On n'est pas fouillé, surtout dans Fly, l'attraction que je vous ferai voir tout à l'heure. Là, par contre, là, on est vraiment fouillé comme dans un aéroport. Là, il y a encore une nouvelle zone. Donc ça, c'est la zone où il y aura le coaster de chez Ninja Sphere et Force que je vais aller vous faire voir tout de suite. Allez, go, on y va. Thank you.
Bon, sortie du Winja, super. Hein. Bon, de toute façon, les deux parcours se ressemblent un petit peu, ils sont un petit peu similaires. Il y a des petites choses différentes, des petites figures. Mais très très bien. Bon, Crush Coaster reste toujours en première position, attention. Et là, on a derrière Crazy Bot. Donc, Crazy Bot qui est un coaster de chez Vekoma, un coaster familial. Vous avez des lunettes VR. Alors, je ne peux pas vous le filmer, bien sûr. Je l'ai fait hier et je peux vous dire que franchement, avec les lunettes, c'est beaucoup mieux parce que je suis allé deux fois sur Fantasyland en 2 ans et deux fois, il n'y avait pas les lunettes parce qu'il y avait le Covid. Et la deuxième fois, parce que c'était en panne, il était en problème technique. Donc là, je l'ai fait hier et avec les lunettes, c'est super. Franchement, c'est différent. Bon, c'est sûr que c'est un peu révolutionnaire, je veux dire. Mais c'est pas le genre de coaster que je ferai tout le temps. C'est bien d'en avoir un dans un parc comme ça, c'est super sympa. En plus, avec effet dessin animé, on a l'impression vraiment d'être dans le monde, quoi. En se déplaçant comme ça sur le coaster, c'est cool. Donc maintenant, on va aller sur une autre attraction, on va aller voir. De toute façon, on chill aujourd'hui. Comme ça, ce soir, je pourrais voir les plans sur le Black Mamba. Sur l'hôtel, sur le Matamba, excusez-moi. Donc là, on va avancer et on va aller sur Fly, je pense, pour faire voir Fly. Le Flying Vekoma que je vous parlais tout à l'heure. Allez, c'est parti, go. Bon, voilà, on arrive devant l'entrée. Donc l'entrée, je l'ai pas dit, le land, il s'appelle Rootbur, ou je sais pas comment on dit. Vous l'avez juste derrière. Donc je vais aller vous faire voir ça tout de suite. Donc comme je vous ai dit, Fly qui est un flying de chez Vekoma. Nouvelle génération avec les nouveaux rails. On est carrément en dessous. Pour ceux qui connaissent pas. Donc c'est parti, allez, on rentre. This shit in my head, yeah, you don't wanna know. On your knees, begging for your life. Aim a 44 to your dome, now you're gone. Knife cutting straight to the fucking bone. Hand full of pills, don't know what the fuck they for. Yelling bitches, but you know the devil can't fucking overdose. Darkness taking over all the souls. The look of terror on the faces of the masses. Was the death of former. Voilà, sortie de Fly. Oh, c'était super, hein, comme d'habitude. Fly, rien à dire. Hein. Très bon coaster familial. Et familial, attention, pour ceux qui ne savent pas, c'est peut-être un peu impressionnant comme ça, mais
et c'est très familial. Maintenant, on a des petits airtime, c'est super sympa, franchement, super cool. Et là, je me suis arrêté juste à la sandwicherie, juste à côté de Fly, où ils vous proposent plein de sandwichs que vous pouvez manger ici, des petits sandwichs faits maison pour 8 euros. Ça va pas trop cher, parce que ce soir, je mange au buffet africain à l'hôtel Matamba, donc il va falloir que je fasse des réserves, surtout que c'est à volonté. Donc c'est pour ça que je mange vraiment un petit sandwich, là, pour dire que ça digère bien dans l'après-midi. Donc je vais vous faire voir ça. Voilà, moi j'ai pris celui qui est là, le egg and cheese qui est juste là. Donc je vais vous faire voir ça après. Ah voilà, je me suis arrêté du coup. Et là on peut récupérer du coup les sandwichs. Regardez comme c'est classe, dans un petit bac comme ça. Et je vais vous faire voir l'intérieur. Regardez comme c'est préparé, le sandwich fait maison directement. Avec le petit mezzo mix, on n'oublie pas le mezzo mix, hein, un goût de coup. Donc voilà, il n'y en a pas dans tous les parcs. Donc vraiment, ça se situe vraiment juste en face de Fly quand vous êtes comme ça. Voilà, et là vous avez derrière juste la sandwicherie qui est juste derrière là. Comme ça, vous pouvez vous procurer directement les sandwichs pour pas trop cher. Parce que après, bon, c'est sûr qu'il y a des menus comme des restaurants là-bas, le restaurant qui est juste derrière là-bas, bon, ça sera beaucoup plus cher. Mais on a vu DB Attraction qui a pu aller manger là-bas et qui a dit des nouvelles qui étaient c'était très très bon. Bon, après c'est autre chose, c'est des gros burgers servis à table, tout ça. Là on mange pas debout mais sur des voilà, sur une belle petite table, c'est sympa, il y a du soleil, il va y avoir des nuages aujourd'hui. Donc je vous dirai quoi après une fois que j'ai fini de manger. Bon voilà, sortie du resto, des sandwichs étaient très bons. Et là maintenant on va aller sur Chiapas, donc là dans la zone mexicaine, donc qui est un flume de chez Intamin, constructeur Intamin. Ils ont les réputations d'être le plus beau flume du monde peut-être, parce que jusqu'à maintenant c'est le plus beau que j'ai fait. Donc allez, c'est parti, go, on va aller se rincer un petit peu parce qu'il commence à faire chaud, là il y a un beau soleil qui est arrivé. Et comme ça après on ira sur Taron pour se sécher. Sortie de Chiapas, pas toujours mouillé comme d'habitude. Chiapas, tu peux pas y échapper. Hein. Et pour ceux qui veulent pas mouiller ses pieds, on peut mettre les pieds sur le côté de la bûche pour éviter vraiment si vous avez pas envie d'avoir les pieds trempés parce que celle-là laisse tomber. Les bûches, elles sont remplies d'eau jusqu'à ça par défaut en dessous. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre ses pieds sur le côté. Parce que déjà qu'on est bien trempé, alors si on a les pieds mouillés en plus,
Et là, il fait chaud, il fait froid, il fait chaud. Ouais, bien mouillé. On voit pas trop parce que c'est noir. Vous voyez, c'est bien luisant quand même. Donc voilà, on va laisser sécher dans Taron maintenant. Donc Taron qui est un coaster de chez Intamin, comme d'habitude, avec Tutatis, avec Honda, tout ça, le même constructeur. Voilà, sortie de Taron, super comme d'hab. Et là on arrive sur la zone asiatique. Donc la zone asiatique, vous avez ici derrière une Madhouse de chez McRide. Donc comme on a l'habitude de voir, hein, parc Astérix, Abelwar, le Houdini, le défi de César, tout ça, voilà, c'est le même genre d'attraction sur le thème asiatique. Et là juste derrière moi aussi vous avez Rivercast. Donc Rivercast qui est un raft de chez Afema qu'on va aller faire tout de suite. Parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire hier, donc je vais aller le faire tout de suite. Allez, go! Donc le fameux raft Rivercast, un de mes préférés, mon préféré d'ailleurs. Sortie de Rivercast, trempé encore plus que Chiapas. Je m'y attendais pas, en fait c'est tout rien, c'est soit on se la prend, soit on se la prend pas la vague. Les autres étaient mouillés, mais là moi j'étais trempé, je me suis pris une vague, comme dans mon dernier vlog. Je me suis pris une vague qui est passée au-dessus de moi, et du coup bah trempé là vous vous rendez pas compte, le noir ça se voit pas trop. Mais wow, la vague elle est passée au-dessus de moi comme ça, donc du coup tout m'a recouvert, laisse tomber. Et là du coup je retourne sur Colorado Adventure que j'ai fait ce matin. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a même pas 10 minutes d'attente. Donc c'est cool, hein. On profite là, il est 5h. Il va être 5h de l'après-midi, le parc ferme à 7h. Après Colorado, j'ai été faire un petit tour sur la Madhouse, donc le Fiju Palace asiatique.
C'était cool, mais bon, franchement, je l'ai fait pour le faire, quoi. Et là, maintenant, je suis sur Mystery Castle. Donc, Mystery Castle, c'est une tour de chute à l'intérieur dans un château du Moyen-Âge. Elle dure pas longtemps, le cycle est très court, mais la chute, elle descend très très vite. Franchement, c'est pas ma préférée, mais elle est classée dans le top 3, je pense. Allez, go pour Mystery Castle. Voilà, sortie de Mystery Castle. Et là maintenant je vais aller sur Mousse au chocolat. Donc, Mousse au chocolat qui est un dark ride interactif sur le thème des souris, de la pâtisserie, tout ça. Donc on a des poches à douille, vous savez, comme en cuisine, pour tirer sur les cibles. Donc ça marche avec des points. Donc c'est parti, hein, on va aller faire ça. De toute façon je peux pas filmer, mais voilà. Je vais faire ça, après je vais retourner sur Winjazz. Et Winjazz, on va faire un tour de Winjazz. Et refaire un tour de peut-être de Taron et de Black Mamba avant de rentrer sur l'hôtel. Comme ça, tout à l'heure, je vous ferai montrer ça, la chambre, le tour de l'hôtel. Ça va vraiment être cool, comme je vous ai dit. Allez, go pour Mousse au chocolat. Bon voilà, j'ai fait 188 000, un truc comme ça. Le record, il est à 840 700, mais en tout cas dans les 800 000 quoi. Alors celui qui a fait ce score là, waouh, parce que punaise, j'arrêtais pas. Et pas moyen de dépasser, même hier, je crois que j'ai fait pas long, ouais, à peu près le même score. Hein. On va dire peut-être un petit peu moins, je crois, parce que j'étais un peu plus fort là. Mais punaise, 188 000, alors que l'autre, il a fait 840 000, le high score. Ouais, c'est énorme. Après, bon, voilà, il y a peut-être une tactique, il y a peut-être des choses à force de le faire qu'on voit, des petits secrets planqués avec plus de points. Parce que les souris, ça va jusqu'à 5000 points, je crois. Après, je sais pas si j'ai vu plus. Bon, voilà, bah, je vous ai fait un peu le tour du parc. Je vais pas vous refilmer Taron, tout ça, hein, ça sert à rien. Je vous laisse sur les images du Matamba, de l'hôtel Matamba, avec que ça soit le room tour de la chambre, la réception, ainsi de suite. Comme ça, sur ce, je vous laisse et je vous fais des gros bisous et à la prochaine pour des nouvelles aventures. Je ne sais pas si maintenant il y aura des parcs pour l'instant, parce que là c'est sûr qu'on arrive à la fin des vacances bientôt. Donc il y aura Planet Coaster, il y aura Blue Fire qui arrive. Blue Fire qui arrive très bientôt, là il est déjà dispo sur TikTok. Mais j'attends encore de faire des petites finitions pour le mettre sur ma YouTube. Voilà, donc sur ce, je vous fais des gros bisous et à la prochaine pour des nouvelles aventures. Gros bisous à tous.